Et donc, je vous propose de passer à notre seconde partie, l'AQ-Système. Donc, on va faire un petit rappel de ce qu'on avait dit donc, dans le numéro 2. Donc, dans le numéro 2, on discutait sur le rôle central de l'AQ-Système, qui est un service qui fait le lien entre plusieurs autres, avec une fonction de coordination qui n'est pas toujours claire dans les entreprises. Donc les autres services AQ, on avait défini l'AQ opérationnel qui assure la bonne application des règles et en production au quotidien, l'AQ produit qui révise les documents et s'assure du respect des règles pour libérer les produits semi-finis et les produits finis, l'AQ fournisseur qui veille à la bonne application des règles pour la gestion des fournisseurs et des matières. Et ce que j'ai appelé l'AQ sécu, qui garantit la bonne application des règles au quotidien au sécu. C'est l'AQ opérationnel, mais sécu, quoi, en fait. Du sécu, voilà. En fait, l'AQ opérationnel, c'est au sens large, quoi. C'est s'assurer de la bonne application sur le terrain, que ce soit en prod ou au sécu, quoi. C'est ça. Mais vu que le sécu, c'est particulier, voilà, j'ai décidé de le sortir. Genre l'AQ sécu. Allez, comment complexifier l'organisation? Non, mais si, quand même, c'est des investigations spécifiques, quand même, c'est des processus spécifiques. Ouais, ok, bah, genre, l'investigateur, de toute façon, il est pas à l'AQ, donc on s'en fout. De un. Et de deux, bon, bah, c'est, en même temps, si t'as un site où tu fais, je sais pas, moi, des produits stériles et un autre, des produits formes sèches, bah, l'AQ opérationnel aux formes sèches, il a pas les mêmes compétences que l'AQ opérationnel stérile et qu'il a pas les mêmes compétences que l'AQ au CQ. Voilà. Vrai. Bienvenue dans notre entreprise de ce que c'est que travailler avec Arnaud. On peut pas faire des résumés correctifs. Non, t'as complexifié le truc. Faut faire non, ça. J'ai détaillé. Bon, bref, oui, j'ai complexifié. Ouais. Donc, pour réaliser toutes ces tâches, ce service s'appuie sur des processus établis par l'AQ-Système, tels que, par exemple, la gestion des déviations, des capas, les hors spécifications hors tendance, les réclamations, les qualifications, la qualification, la validation, la métrologie, le contrôle des changements, la documentation, et il y en a d'autres. Et donc, chacun des différents AQ doit normalement rendre compte à l'AQ-Système, qui est propriétaire des processus gérés par les différents autres services, et doit donc superviser leur bon fonctionnement. Donc, si un système s'emballe, dérive ou traîne, c'est l'AQ-Système avec sa vision globale. C'est la faute de l'AQ-Système. C'est ça, c'est l'AQ-Système qui a une vision globale de l'ensemble du site et de ses processus, qui peut identifier et proposer des solutions. C'est pourquoi l'AQ-Système doit travailler étroitement avec le QMS et coordonner les rédactions des PQR, par exemple, entre autres. Voilà, c'est à peu près là qu'on en était la semaine dernière. Et donc, pour aller plus loin sur le sujet, je vous propose de prendre le premier des processus. Et donc, selon vous, messieurs, quelle est l'implication de la qualité système dans la gestion des déviations? Oh. Moi, je vous laisse la parole pour le moment, sinon je vais la monopoliser. Est-ce que l'AQ-Système doit réaliser des investigations? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Je pense que l'AQ-Système ne sera pas investigateur, mais en tout cas dans ma vision, mais peut en approuver certaines ou participer en tant qu'expert. S'il y a de la dérive sur un process qualité. Ouais, par exemple, imaginons que là, du coup, tu ouvres ton QMS, tu fais ton extraction, tu fous ça dans ton truc Excel. Oh, punaise, merde. 300 déviations en backlog, 400 déviations en cours. Merde. Et alors là, du coup, est-ce que déjà l'AQ-Système aura une déviation? Juste pour rajouter une de plus. Alors, ça dépend. Ça c'est un truc que j'aime bien. C'est souvent le premier truc qu'on dit, une déviation, c'est quand on est en écart à une procédure. Donc, est-ce que 300 déviations à plus de 30 jours, c'est écart à une procédure? Bah déjà, peut-être. Une déviation à plus de 30 jours. A priori. Bah oui. Donc, c'est une déviation. Donc, voilà. Donc, ouais. On est à 401. Ceci dit, c'est pas con, hein. Tu fais,
Ouais. Dans le cadre de ton investigation, c'est là où tu fais ta task force pour gérer les impacts. Ouais, tu fais ta task force pour gérer les impacts. Tu trouves aussi ta cause racine pour savoir d'où ça vient tout ce bazar. Bon, ce qui va certainement mener à différents c'est la trucs faute de la comme là-bas. Moi, je dirais que ça va être la faute de la RH. Ils ont pas remplacé le mec qui est parti. Attends. Non, mais il y a plein de raisons. J'avais fait un post sur les différentes raisons qui pourraient mener à un backlog d'aviation, mais pour en revenir quand même au sujet, donc là c'est au final l'AQ-système qui devrait normalement détecter le premier une dérive du système d'aviation. Ouais, oui. Ouais. Ouais, en fait, l'AQ-système devrait, en tant que owner du process, il devrait déjà définir le process. Mmh. Avec l'organisation autour du process, donc les rôles et responsabilités, les outils, les méthodes, organiser tout ce qui est formation autour de tout ça. Est-ce que c'est eux qui font la formation ? Ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, organiser la formation et organiser le suivi, le pilotage, la mise en place et la mise en œuvre du pilotage, et après, suivre tout ça, en fait. Suivre tout ça et voir si ça se passe bien. Et parce que si l'AQ système se rend compte que t'as un problème quand t'as 400 déviations en backlog, c'est déjà trop tard, quoi. La dérive, on la voit venir. La dérive, on la voit venir semaine après semaine, hein. Quand t'as ton encours qui augmente semaine après semaine, tu peux agir, quoi. Donc c'est finalement l'AQ système qui doit établir la procédure de gestion des déviations. Donc comment on fait pour gérer les déviations? Et donc, ça se limite pas à comment l'ouvrir dans le QMS, mais ça va bien, bien plus profondément. Ouais, ouais. Mais le problème de ça, c'est que... Alors, je mets les pieds dans le plat. Hein. C'est que pour moi, là-dessus, l'AQ système aujourd'hui, sur les sites, ils sont pas compétents pour définir ce process. Dans le sens où, en fait, ils copient-collent ce qu'ils ont vu partout à chaque fois. Sans essayer de réfléchir à comment le mettre en œuvre correctement dans le contexte, sans essayer d'innover sur le process, sans essayer de bien définir les rôles et responsabilités en fonction de la taille du site, du nombre de collaborateurs, de l'organisation, etc. Et sans du coup agir et proposer des organisations différentes dans les autres services pour pouvoir avoir un process de déviation qui tourne bien. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est dur, quoi. En fait, c'est vraiment difficile de sortir d'un chapeau, de se dire, paf, je vais faire un processus pertinent et efficace, adapté à mon organisation pour gérer les déviations. Et au final, en général, ce qui se passe, c'est, oh, il y en a pas un qui traîne de ma précédente boîte, ou de, je sais pas quoi, ou de Sanofi, ou de Merck, etc. Ouais, c'est ça. Tiens, c'est ça. En voilà une. Ouais. Je sais, la caler. La caler comme je peux. Ouais, c'est ça. Ouais. Dedans et puis ça finira par rentrer, quoi. Ça finit par rentrer. Finalement, tout le monde est frustré. Ça marche pas très bien, mais bon gré mal gré, on a que ça, donc on fait avec. Et donc les gens utilisent le truc qui est là parce que il est là et il y a rien d'autre. Donc c'est pas forcément adapté. On commence à ouvrir plus de déviations qu'il en faut parce qu'on n'a pas forcément les ressources pour être aussi fin que quelqu'un qui a plein de gens pour gérer les déviations. Ou inversement, on a trop de personnes. Il y a plein de personnes qui gèrent les déviations et finalement on laisse passer. On pourrait se concentrer un peu plus sur les détails, mais finalement on a un truc qui est trop lâche et finalement on n'investit pas autant qu'on le devrait. Donc on n'a pas le bon niveau, on n'a pas pris le temps pour définir le bon niveau de ce qu'on veut faire avec notre processus de déviation, quoi. Et un des rôles de l'AQ système pour moi dans ce process, justement, ce serait de régulièrement de faire un audit des rapports pour voir s'ils sont homogènes en fonction de qui a investigué, qui a approuvé, s'assurer une certaine homogénéité dans l'approche d'investigation, quoi. Ça, c'est jamais fait, hein. C'est-à-dire que c'est à l'AQ système de définir la méthode aussi d'investigation. Comment doivent être faites les investigations? Ouais. Mais du coup, pour des gens qui font jamais l'investigation. C'est, c'est ça qui est compliqué, mais quelque part, à partir du moment où c'est eux qui sont honneurs, moi je suis d'accord, c'est compliqué, mais c'est leur responsabilité. Alors après, à charge d'avoir des gens tu vois, qui évoluent en AQ système, qui ont été amenés à faire des investigations ou à en approuver dans le passé, etc.
Ah, mais les mecs de la QI System, ça doit être des mecs forts, quoi. Enfin, des mecs qui ont vu tout. Ouais. Qui ont vu tout, qui savent tout faire et qui ont vraiment une bonne vision du niveau de ce qui se passe en production et ailleurs, hein, pour pouvoir proposer les bons outils adaptés à l'entreprise. Mais en tout cas, les AQ System, pour moi, c'est aussi des mecs qui doivent avoir une culture et une vision process de malade, quoi. Limite, ils ont même pas besoin de connaître le produit de l'entreprise dans laquelle ils sont, quoi. Ça vous choque. Non, je suis en train de regarder un peu notre diffusion. Ah si, il y a quelqu'un qui est passé. 17 secondes. Cette merde. Il a vu ma chemise, il a fait. Non, excuse-moi. Ouais, du coup, non, si, t'as raison. Il faut que ça soit des. Tu disais quoi? Ils n'avaient pas besoin de connaître les produits. Mais j'ai dit que la Key System, ils n'avaient même pas besoin de connaître les produits du site, quoi. Bah comment faire? Ah oui, en fait, bah, et d'ailleurs, ça serait même presque plus pratique pour juger de la pertinence d'une investigation, parce que si le mec, il lit l'investigation, il comprend. Exactement. Tout, il comprend tout, et bah du coup, il va faire ah ouais, franchement, cette investigation est claque. T'es trop j'approuve. Fort. J'ai tout compris. Ou si lui, il t'as prend un compris. Truc, il fait putain, j'ai rien compris, hop, recalé, quoi. Mais en quelque sorte, nous, on est un peu des AQ System, hein. Bah, on est carrément des accusystèmes dans quasiment 90% de nos interventions, hein, je dirais. Hein. Exactement, exactement. Et après, du coup, bah, le problème, c'est que souvent sur les sites, comme tu disais, les accusystèmes, ça doit être un peu des maîtres en connaissance des process qualité. Mais souvent, t'as des gens qui sont à des postes accusystèmes qui sont pas forcément des grosses expériences. Alors pas les responsables qualité, hein, j'entends, mais voilà le process owner de déviation par exemple, ça arrive souvent que c'est pas un mec qui a une grosse expérience, qui ait connu plusieurs sites, qui sache comment on peut mettre en place un process déviation efficace, etc. Et du coup bah forcément en fait il fait avec ce qu'il a et avec ses connaissances, donc c'est normal aussi. Hein. Alors il y a plusieurs choses très intéressantes que tu dis là-dedans, et notamment sur la position de l'AQ System, du responsable AQ System dans l'organisation, c'est-à-dire qu'il est quand même pas mal pris entre le marteau du directeur qualité. Dans le directeur qualité, en général, au final, ce qu'on vient de dire, c'est souvent de lui qu'on attend un peu tout ça là, la méthode d'investigation, la granularité du processus de déviation par rapport à ce qu'on a, alors que non, finalement ça doit vraiment, je pense, être l'AQ System qui devrait prendre tout ça en main, et derrière qui va être pris aussi derrière avec le feu des AQ opérationnels, donc par exemple le responsable AQ op, qui lui s'il est, je vais prendre lui comme exemple, hein. S'il est impliqué dans son processus, il va dire bah c'est moi qui gère ça, dégage de mes affaires et il fait ce qu'il veut, quoi. Donc ouais, finalement, mais c'est là où le responsable AQ System, il doit aussi être capable de travailler avec les autres, parce que tu définis pas un process déviation dans ton coin sans en discuter avec la Q opérationnelle, avec la prod, le QC, enfin les gens qui sont impliqués. La preuve en est, c'est que quand nous on fait les ateliers sur nos interventions sur les déviations, on fait pas ça tout seul dans notre coin, quoi. On travaille avec tous les intervenants du process. Qui donnent leur avis sur l'affaire, quoi. Exactement. Et donc, comment faire pour réasseoir la légitimité de l'AQ System, ce qu'on a vu en plus dans la définition des fonctions, finalement, c'est pas vraiment, c'est pas non plus super clair dans les annonces. Bon, après, il y en avait pas énormément, hein, mais dans les annonces et les périmètres d'activité, à mon avis, ce qu'on est en train de décrire là, c'est plus souvent dans le responsable. Bah, ouais, c'est normal, dans le responsable, dans le directeur AQ, c'est souvent plutôt là-dedans, quoi. Ouais, alors que le directeur AQ devrait plutôt avoir un rôle de chef d'orchestre des différents services qualité, opérationnels, fournisseurs, systèmes, etc. Mais pas être celui qui prend ces décisions là, quoi. Pareil, ouais, typiquement recadrer la QOP quand il veut pas appliquer du coup si le directeur qualité il pense que ce qu'a fait la Q System ça vaut le coup d'être il est sûr que ça vaut le coup d'être appliqué, que la QOP veut pas essayer, bah, c'est là où le directeur AQ il arrive, écoute
Et c'est là aussi où ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, des profils parfois un peu pas assez expérimentés en AQ système sur les process. Et du coup, c'est le directeur AQ qui joue ce rôle-là au final. Après, il y a des entreprises où on a des gens très expérimentés en AQ système, hein, mais on voit quand même assez régulièrement des gens qui n'ont pas forcément... Enfin, en fait, avant d'être AQ système, pour moi, il faudrait avoir vadrouillé sur plusieurs sites et avoir eu à vivre, à utiliser les process qualité sur plusieurs sites, même si c'est pas 100% des process qualité, mais au moins quelques-uns. Donc avoir été acteur dans ces process sur plusieurs sites pour pouvoir te forger une opinion, te forger des convictions et du coup avoir un peu en tête quelle est la bonne démarche pour traiter là en l'occurrence des déviations quoi. Et alors que dire de la différence entre process owner déviation et AQ système? Est-ce que c'est la même personne? Est-ce qu'on met ça sur quelqu'un d'autre? Le process owner déviation doit appartenir à l'AQ système. Ah, tu peux pas mettre un process owner déviation en AQOP? Non. Non. Si tu prends une notion de racine pour les rôles et responsabilités, le process owner, il est accountable, c'est celui qui doit s'assurer que le process tourne bien, que on n'a pas de dérive avec des backlogs qui se forment, que ceci, que cela. Alors que l'AQ opérationnel va être R, donc responsable, par exemple, d'approuver les déviations, d'approuver que justement le rapport qui est fait, il est homogène avec les autres. Alors là, on va se dire, mais t'as dit que l'AQ système, il devait se regarder que c'était homogène. Non, moi, ce que je dis, c'est que l'AQ système doit s'assurer que ça tourne bien. Et donc, de temps en temps, dans l'année, faire un peu de picking dans les déviations, un audit, et de regarder si c'est homogène. Le responsable AQ opérationnel, enfin, l'AQ opérationnel va, rapport après rapport, approuver et s'assurer que ça répond bien, justement, à ce qui a été défini dans le terme du process par l'AQ système. L'AQ produit va conclure sur la partie produit, impact produit, etc. quoi. Autre clou supplémentaire dans le cercueil de cette idée, c'est que si tu mets la responsabilité... Pourquoi un cercueil? parce que je vais enterrer cette idée de foutre le process owner à la QOP. C'est que si jamais tu mets ça sur un AQOP, et bien ce qu'il va faire, c'est qu'il va se concentrer sur son petit périmètre. Il va pas avoir cette vision d'ensemble. Donc comme on l'a vu, il y a plein de services AQ qui utilisent l'AQ système et de mettre dans la besace d'un AQ op qui va aller sur qui a souvent un secteur de production ou pas, même s'il a toute la production, qu'est-ce qu'il va aller savoir exactement ce qui se passe dans les déviations du sécu, dans les déviations de l'AQ fournisseur, dans les déviations dans les autres services Les déviations au magasin, enfin il y a des déviations, il y en a pas qu'en prod hein. Ça va lui niquer sa journée. C'est là où il y en a le plus. La journée du mois où il va devoir faire les indicateurs pour reporter à l'AQ système, ça va lui niquer sa journée de savoir pourquoi et comment et d'obtenir les données et de comprendre pourquoi ça va pas, etc. Et puis il en a rien à foutre, ça, c'est pas son périmètre, quoi. Je pense qu'on dit pas mal de choses assez cool dont on entend rarement parler. Mais après, le point clé, et moi ce que je trouve intéressant dans cette troisième pause café et la deuxième aussi, c'est que globalement, les organisations qualité, elles sont pas claires quoi sur les sites. On sait pas bien défini quel est le rôle de quoi. C'est fait un peu comme tu l'avais dit sur le dossier de l'eau. En fait, ça s'est fait un peu historiquement en empilant des couches. On grossit, on va recruter tel profil. On va lui donner un peu ça sans vraiment reposer le truc. Et du coup, ça fait des organisations un peu chimériques qui ont pas forcément de sens sur certains points. Et de temps en temps, c'est bien de remettre à plat, quoi. Il y a un mec qui se barre, crac, on divise toutes ses tâches en 5 mecs, le temps qu'il y en a un autre qui arrive. Exactement. Il y a un mec qui arrive, il sait pas faire, du coup, on lui en donne que 3, et ça y est, tout est baisé. Non, mais c'est exactement ça. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que tu as besoin d'un système aussi de formation suffisamment robuste, justement, pour encaisser les turnovers, quoi. Ouais.
Ouais, bah c'est exactement, ouais. Et ça, bah du coup, c'est le rôle probablement aussi de de l'AQ System, de pouvoir dire qui est formé à quoi. De toute façon, ça rentre dans son périmètre, hein, la formation. Et aussi donc de travailler avec la RH pour arriver à faire des définitions de fonctions cohérentes avec ce qu'on attend de notre processus qualité, quoi, d'un système qualité. Mmh. Donc on arrive aux alentours de la demi-heure. Donc ça y est, on finit tranquillement cette pause café. J'espère que bon, il me reste un petit peu, mais je pense la prochaine fois on parlera, on va décortiquer ensemble une procédure qualité groupe. Une procédure qualité groupe sur les déviations, toujours là, on va rester sur la déviation pendant un moment. Donc une procédure qualité groupe de gestion des déviations, et donc on va essayer de se poser la question, comment faire du coup de la qualité groupe versus la qualité système, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun, et quels sont les rôles et devoirs de chacun, parce que c'est vraiment un sujet compliqué, et là sur les quelques derniers posts LinkedIn que j'ai fait, j'ai eu pas mal de commentaires là-dessus. Donc ça va être intéressant. Voilà. Carrément. Merci à tous de nous suivre. Aujourd'hui, vous étiez en live. Attendez que je regarde. 2-0. Une personne à venir. Pendant 17 secondes. C'est mieux que 0. C'est mieux que 0. C'est le mec qui s'est perdu sur YouTube. Ça a été recommandé. Il a fait c'est quoi cette merde? Et il s'est barré. Ça l'a réveillé. Il s'est dit faut vraiment que j'arrête YouTube. Combat. Et donc voilà, à bientôt pour une prochaine pause café. Donc normalement sur LinkedIn. Merci Allez, à tous. À bientôt. Salut tout le monde.